C'est une game plus que longue. On va bien voir ce que ça va donner. Donc je vais enregistrer, comme ça les joueurs pourront se revoir sur... Pardon, les joueurs pourront se revoir sur Oned, voir ce que j'ai dit d'eux. Et on est lancé entre Teuz et Bouquet, qui a pop en terrain vert contre Raphaël en terrain rouge. C'est toujours du BO1. Et il s'engueule un petit peu au début. Voilà, ça va troller un petit peu, je pense, et on leur souhaite bonne chance. Voilà, on leur souhaite une bonne chance. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous proposer pour cette game. J'espère du beau jeu. Alors, attendez, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Pas que ça lag, je vais tout couper. Voilà, c'est bon. On est lancé, on a un petit supply qui est posé gentiment du côté de Raphaël, du côté de Teuzebo, c'est la même qui va se poser au goal un petit peu plus tard que notre ami Raphaël. Voyons ce que ça donne. En tout cas, les deux joueurs sont de niveau bronze et ils utilisent un groupe, c'est déjà ça. Teldar et Maltar, une map très macro avec quand même une B2 facilement défendable grâce à des tanks comme le siège qu'on peut positionner ici. Je donne la position à Raphaël parce que Raphaël, ce qu'il peut faire, c'est poser des tanks ici alors que. Qui a l'avantage d'ailleurs en sortant de sa base. On a un lagueur dans la game, voilà. Wooden PC. C'est vrai que moi on l'a souvent dit. Donc voilà, petit rax posé du côté de Teuzebo, un peu toujours en retard sur son homologue Terran Raphaël. Raphaël qui a posé une rax au wall. On va voir une pose en gaz Raphaël, ce qui n'est pas le cas de Teuzebo a priori. Bon, il a pas fait de gaz Raphaël, on va voir ce qu'il on va voir s'il veut poser peut-être une one rapid expand sans gaz. Il va fermer le wall rapidement. Le scout qui a été envoyé du côté de Raphaël en cross position directement. Teuzebo qui sort son scout, qui ne sort même pas de scout. Vous voyez, il ne voit pas son adversaire. De même pour Teuzebo. Un petit, pas beaucoup de DCS quand même là côté Raphaël. Niveau Nicom, c'est la même. Raiden qui quitte, peut-être parce qu'il lagait, je ne sais pas. On a ce petit DCS qui part scouter en direction de la base du nord alors que Teuzebo va croiser le DCS. Non, il ne passe même pas la Xenaga. Est-ce qu'ils vont se voir? Non, ils ne se sont même pas vus. Donc c'est du coup Teuzebo qui va aller scout en premier son adversaire Terran Jaune Raphaël. Je rappelle pour ceux qui viendraient nous rejoindre. J'entends un petit chant d'oiseau dans mes oreilles. Très beau Ten Run de la part de Raphaël là. Ça pilonne. Le DCS se prend des petits plombs dans la tête, il a pas l'air vraiment micro-géré. Il va se faire dépouiller. Oh le troll. Oh le troll, il a fait S devant le DCS. Oh le trolleur, il y a un deuxième gaz qui est posé très rapidement. Il va sûrement s'en mordre les droits de ne pas avoir fini ce DCS. Ou alors, je sais pas ce qu'il a fait. Ce DCS qui n'est pas mort. C'est catastrophique, ça pourra pas laisser One Rack expand du côté de Teuzebo qui va essayer de jouer le match-up. On va voir comment il va s'en sortir. Donc là, je vais pas parler de match-up tout ça parce que c'est des joueurs bronze, donc du coup, ils n'ont pas forcément une connaissance aiguë du match-up. Ça se vérifie par le BO qui est en train de nous proposer Raphaël, à savoir Tourax Facto. C'est un BO, je dirais, un peu plus intéressé en deux plus bizarre. Et finalement, il cherche ce VCS, il va venir le finir. On est quand même peut-être au first blood. Allez, allez. Mais il le troll ou quoi? Que se passe-t-il derrière ces fourrés? Vous le saurez prochainement. Bim, Blood. Voilà, j'attendais bien qu'il lui balance ce petit FB dans la tête là. Ça m'étonnait qu'il continue de troll comme ça. Voilà, on a la facto qui va bientôt se terminer du côté Raphaël, du côté Teuzebo. Ça pose une deuxième caserne. On est toujours sur un gaz. Il ne sait pas ça de son gaz pour le moment. Il pose une troisième caserne du côté Raphaël. Ça part a priori sur deux. Sur un VO très intéressant puisqu'on a réacteur sur la facto et Starport, donc peut-être un drop de marine steam paquet. Nous allons voir ça tout de suite, maintenant. Tout va se décider dans pas longtemps. Au niveau récolteur, c'est à peu près la même. Les joueurs font des récolteurs en continu. Nous avons un deuxième gaz côté Teuzebo qui va peut-être partir sur une factory et un timing d'attaque marine 1-1 steam pack bouclier avec des medivacs. Nous allons voir tout de suite le scout de Raphaël qui n'est même pas arrivé, qui ne sait même pas sur quel strat s'oriente son adversaire. En tout cas, on a des annexes qui se terminent côté Raphaël, des marines, des petits marines qui sont lancés. On me demande si c'est des games troll, je dirais pas que c'est des games troll, mais c'est des games de bronze. Donc forcément, ça envoie pas forcément du gros pâté niveau au niveau du skill, mais bon, ça peut...
Il peut y avoir de tout, il peut y avoir des beaux matchs. Voilà, par exemple, on a un supply qui est posé sur la B2 de Tozebo. Donc ça troll, hein, les deux joueurs qui se disent en début de la partie. Ça part carrément en troll cette partie, c'est du BO1. Donc ils s'amusent, voilà. Niveau income, toujours 2 VCS de plus pour Tozebo. Côté Tozebo, je sais même pas si on dit Tozebo, Tozebo, on va dire Tozebo, un peu comme Naboo, je sais pas. En tout cas, ça va être sûrement du temps comme au siège, parce que là, il y a une add-on qui a été disponible, là, qui a été soulevée, qui a été libérée, peut-être pour poser un Starport. Non, a priori, il ne pose rien sur cette add-on qui est toute vide, qui se sent un peu esselé, là. Il a, et si, voilà, il va poser la Factory. En tout cas, ça, c'est un gros troll aussi côté Raphaël, qui, regardez, ça, c'est quand même fort ce qu'il fait Raphaël. Il a beau être bon, il arrive à cancel, en tout cas, à annuler la construction de son supply à 30 sur 30, à 397 sur 400. Vous m'expliquez? C'est-à-dire que le mec, à tout moment, il fait échappe et ça se cancel. Donc, vraiment bien joué côté Raphaël. Il n'aura pas à faire un investissement supplémentaire. Et en plus, il y a tous les PV dans le dépôt. Par contre, je ne sais pas si l'armure, l'armure du dépôt est pas active, je crois, et elle a toujours l'armure de la construction qui est moindre que l'armure quand le spell est fini. Alors là, on a un scan Tozebo qui voit que c'est, ça va sûrement être du drop vu tous les medivacs qui ont été sortis. C'est un peu étonnant, le fait que en fait, c'est étonnant, c'est que Raphaël sort beaucoup de medivacs, mais il n'a pas finalement assez de marine pour tout monter dedans. Voilà, il fait un drop, mais pourquoi avoir sorti un Star Power là-dessus? C'est assez étonnant, il aurait mieux fait de faire une autre caserne dessus. Il va aller dropper, on va suivre ces deux drops avec attention qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Pour le moment, ils s'en vont en direction de la base de Tozebo, qui lui a lancé son petit impact et son siège. Lance une souriante sur une vieux Boltang, a priori, qui a une B2 mais qui ne la pose pas, qui en préfère ne pas s'en servir. Voilà, c'est comme ça qu'on joue la B2 en bronze, je ne savais pas. En tout cas, au niveau armée, on va faire un petit... Ah, l'armée est similairement la même, sauf qu'il y a plus de gaz dans l'armée de Raphaël, étant donné qu'il a plus de medivac. Il va essayer d'aller dropper derrière dans la ligne de minerai. Son adversaire, il contourne, c'est vu par Tozebo. Tozebo qui n'est pas forcément réactif et qui va laisser ses 2 medivacs s'approcher gentiment de sa ligne de minerai. Les medivacs qui vont commencer à descendre leurs unités. Attention, les medivacs qui ne drop pas de normal comme en bronze. Les medivacs qui descendent, qui steam. Attention, c'est un steam. C'est un steam très très bien effectué de la part de Raphaël. Tozebo qui n'est pas du tout au rendez-vous. On est à 14 ouvriers tués. C'est une erreur de la part de Tozebo. Il n'a plus de récolteur. Voilà, donc peut-être que sa B2, s'il s'en sert, lui permettra d'en refaire. En tout cas, très très bien micro de Raphaël, qui est, je crois, top bronze, donc qui joue quand même un niveau, je pense, d'argent, qui, même s'il fait un BO plutôt étonnant, niveau income, il suit bien, il est même devant, il a une B2 un peu plus late, mais son drop skin pack est rentabilisé. Voilà, pour le moment, la partie se pose, il peut même un troisième CC, donc voilà, c'est comme ça, en bronze, on pose 3 CC dans une seule base, mais on ne pose pas de B2, hein. Voilà, c'est comme ça, je pense qu'on a appris au Terran que... En terrain, on pouvait lever les bâtiments, donc de toute façon la B2, on l'a posé quand on avait le temps, qu'on a plus de minerai sur B1, tiens, pourquoi pas poser une B2. Du coup, Tozebo qui va se prémunir des drops en posant une tourelle lance-missile. Des tanks comme siège qui sont là pour anticiper ces drops, qui sont revenus gentiment vers la base de Raphaël, qui lui va pouvoir poser son B2, qui n'a pas été empêché par un petit supply. Il va sortir avec une priori une composition bioball. Bioball qui n'a que des baraques, attention, que des scans de Tozebo qui voit qu'il n'y a pas énormément dans la base de Raphaël, mais il ne faut pas y attaquer. Tozebo qui est toujours en dessous au niveau de la pop. Mais attention, il va peut-être choisir de sortir. Que va faire Tozebo? Il stresse, il a deux tanks, il a défié son tank qui était là. Il va cependant, je pense, mener l'agression, même si ses unités ne bougent plus. Au niveau des FDM, nous sommes à 25 APM pour Tozebo, qui montre bien que c'est un joueur bronze et qu'il a du mal. Donc on lui souhaite le plus grand des courages dans cette partie de StarCraft 2, parce que je pense que pour tout bronze, être dans une partie de StarCraft 2 et dépasser les 25 APM, c'est beaucoup. Ils font de leur mieux. On a tous les tanks là qui sortent, qui vont aller gentiment se positionner peut-être pour défendre la B2. Et surprise! Le petit supply qui empêche plutôt la B2 de se poser, mais il est vite détruit. Comme je vous l'avais dit, il n'y avait pas l'armure, du coup il est tombé très vite. On a peut-être des mules qui vont pouvoir être larguées sur la B2. De Raphaël qui choisit, mais il se lance, il commence à faire des VCS, et je pense que dans sa tête il se dit je pose B2, je vais donc aller l'attaquer. On a des Vikings ici côté Raphaël, peut-être pour garder la supériorité aérienne qui n'est pas très rookies quand on a pas de tank finalement, mais c'est comme ça. On a énormément de medivacs qui sont là pour heal. Petit scan de Zebo qui a gâché beaucoup de scans depuis le début de la partie, mais au moins il a l'info. Regarde un peu tous les medivacs, nous sommes maintenant à 8 medivacs, c'est énorme. Le besoin d'attaque qui est envoyé côté de Zebo, il ne les a pas oubliés alors son adversaire n'a même pas, il a 200 techniques mais il ne s'en sert pas. Voilà, c'est comme ça, c'est les bronzes. On produit des bâtiments pour ne pas s'en servir, voilà. Après, chacun sa philosophie de vivre. Il a un petit même réussi à faire un petit shift tactique. Donc, a priori, les joueurs qui, avec leur groupe, leur shift, connaissent toutes les fonctionnalités du jeu, il ne leur reste plus qu'à les perfectionner. Attention, les tanks qui pourraient se mettre en mode siège et faire énormément de dégâts. C'est le vol de Raphaël qui a beaucoup plus de pop. Nous allons mettre à grand écran, c'est complètement fou.
C'est complètement fou ce grand écran et ces temps qui se mettent en mode siège. Je ne sais que dire, je ne sais que dire. Hein. Attention, attention, ça va être très très chaud. Un tank qui n'est pas dans la vision, il va y aller. Il steam, steam. Attention, le steam de Tozebo, très très ambitieux, qui va refaire reculer cette armée jaune de Raphaël, qui avec tous ses medivacs va être heal extrêmement rapidement. Ce qui n'est pas le cas de Tozebo, et c'est ça son problème à Tozebo, c'est qu'il n'a pas de medivac et que du coup c'est pratiquement un semi-humide, hein, parce que si il fait un steam, il sera dans pratiquement la vie rouge. Attention, attention à ne pas steam inutilement. Attention, Tozebo, il faut que tu fasses gaffe, parce que là les tanks pilonnent, mais... Alors là, on a un peu ce heal des marines qui est un peu pété là. Le mode siège qui commence à être développé du côté Raphaël, peut-être un petit peu oublié. Les tanks qui se positionnent très bien dans le siège au fur et à mesure. Les marines qui sont complètement découpées. Et c'est Tozebo qui avance progressivement pendant que derrière il essaye, il ne fait rien, il monte à 700 minerais. Tout comme son homologue Terran qui monte. Oh, joli snipe de tank, malheureusement il n'a pas envoyé assez. C'est dommage, ça aurait pu être une belle action, hein, mais malheureusement pas assez de tanks. Ça n'a pas mené, ça n'a pas abouti. En tout cas, ça a l'air de se terminer, j'ai l'impression, sur cette agression. Cette agression va un peu tout dire, c'est plutôt un sitting là, devant la base de Raphaël. Raphaël qui a vraiment très très peur, il pourrait engager, je pense, s'il steamait bien et s'il arrivait à prendre ses tanks. Mais les tanks sont très bien répartis, attention, là, il y a eu un énorme steam de Tozebo qui était complètement en retard dans cette partie, mais qui est en train de la retourner. Tozebo qui réalise l'exploit, qui va même avoir perdu, voilà, il avait perdu 19 récolteurs, j'ai sûrement dû louper un autre drop. Il est en train de tuer la B2 de son adversaire, il a tué tous les medivacs, regardez les unités perdues, c'est un vrai viol. Côté Tozebo qui est revenu, il avait beaucoup moins de pop, il est en train de le faire, c'est magnifique ce que nous réalise Tozebo, là j'ai plus de voix, jure, depuis tout à l'heure, tellement c'est beau. Ok, bon, le mec, bug de clavier, c'est pas faux, mais il a réussi à lancer un steampack, alors à moins qu'il ait cliqué sur le steampack ici, je sais pas, en tout cas je pense que la game est pliée. Oula, attention à steam, attention. Au lieu de c'est de sa faute, un bug de clavier, c'est lui loup et à clic, c'est tant pis pour lui. C'est vrai qu'avec un bon steam au début, quand les tanks étaient regroupés, il y en avait deux, il aurait pu reboot ça tranquillement. Malheureusement derrière il a B3 même, attendez-vous, il s'en sert pas, mais il pourrait très bien la poser. Et là c'est carrément plié, hein, regardez son armée, il a même le plus sain d'attaque et ça change beaucoup de choses, hein, plus d'un attaque sur une bioball, tous les VCS qui sortent de la ligne de minerai, Raphaël qui tente tout, il est en train de sortir de ce tournoi, nous le tournament. Moi, majeur de Wanawar, on le rappelle, regardez, il perd tout. Et ça va sûrement être le GG qui devrait être lâché par Raphaël d'ici peu. Je sais pas ce que fait Raphaël, il rigole. Et c'est le GG. Oh, le Red Kit même. Oh, Red Kit. Oh, Raphaël qui est pas malheur. Raphaël qui est Red Kit. Oh, le méchant pas beau. Oh, le Red Kit de Raphaël. Oh, je suis blasé là. Même les bronzes, au moins, ils sont pas bons. Mais en plus, il Red Kit, donc ok. Bon, bah, jolie petite game. Hein. C'est intéressant les games de troll comme ça. Pas de troll, mais les games de bronze, ça envoie toujours du pâté. On va aller voir ce qui se passe du côté des streams le temps que je sois invité. Merci aux gens qui nous suivent de cette viewer. On est à, ouais, pareil, c'est sur les autres TV. On a une game là. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui est le meilleur stream des trois streams qui sont proposés. Ce sera intéressant. Ah, il a un bon stream aussi, RNZ. Donc RFZ, on a une game entre Donny Pran, quel pseudo original, et Zael, que j'ai stream au tout début. On a une game, oula, 4000 de minerai pour Zael, comme l'observateur est en train de le montrer, mais vous ne voyez rien du tout, et je parle un peu dans le vide, vous ne voyez rien. J'espère que là, ça va marcher. A priori, oui. Alors, on va pouvoir mettre ça en grand écran, et je vais vous commenter. Bon, vous n'aurez pas le son, du coup. On va voir ce qui se passe. On a 11 infesteurs apparemment en production côté Zael contre Doliprane. Le joueur où il a beaucoup de bases. Hein. On peut voir sur la mini-carte là côté Zael qui a bien pris des bases sur toute la carte. On a des tanks là qui sont là. Deux drops qui sont en partance pour la base. Pour la base Zerg. Là vous pouvez voir ça comme nous le montre. Comme nous le montre RMZ. Run B Zael apparemment. C'est un joli petit logo. Un peu trop gros à mon goût, mais. Mais chacun c'est vous, voilà. Le 2-2 qui est envoyé côté Doliprane, le Baltaroach aussi, côté Zael qui passe T3, 11 infesteurs. Alors ça, ces infesteurs, s'ils ont la glande pathogène, ils vont faire très très mal. Voilà, Run B Zael. Ah mais d'ailleurs, Run B Zael. Zael, what the fuck. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle Run B et l'autre qui s'appelle Zael. Et on doit avoir... je pense que quand on met le son, on a le Zael. Et bien, pour faire le café... double queen ici, alors ça c'est intéressant, mais on voit pas trop l'intérêt, ça c'est sûrement un misc. D'ailleurs ils ont une petite particularité sur le stream, ils mettent deux musiques castant, donc chacun ses goûts. Attention, donc là on a tout le drop de l'épargne dans la base de Zael, donc je commence peut-être ça avec moins d'emprunt parce que c'est pas forcément ma game, et on risque de la couper en cours de route, voilà.
un petit drop, mais il va être annihilé, je pense, par Zell, qui a même fait un verre de Nidus. Donc, 11 infestors, voilà, c'est la simple stateur, c'est ça. Je regarde, si on m'invite pas sur Starcrafteux. Pour l'instant, on n'a pas de game en partance. Du côté de l'autre stream, on a Okuru contre Diablo. Malheureusement, ce stream n'est pas d'une même qualité. C'est aussi deux aigles qui se rencontrent. Voilà, agression, peut-être une fin de game entre Okuru et Diablo. Attention, ces infestors qui sont donnés. Il n'y a pas les barres de vie, c'est bien dommage, mais j'ai l'impression que c'est Diablo qui va s'en sortir sur ce stream-là. Nous, on est comme ça, on fait du switch de stream. D'ailleurs, je vais regarder s'il y a bien... ouais, c'est bon. Mon stream est bien en grand écran, du coup, vous pouvez voir au moins ce que je commente. Après, il y a beaucoup de larves là, sur les bases de Zael qui lancent la caverne du Tralisque. Tout ça, quoi, qui lance le pâté, de l'épreuve sur B3. Il est sur B5, Zael, il n'a pas de macroach, il a peut-être une macroach dans sa main, donc au moins 6 couveuses pour produire. C'est pas mal. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui suivent le stream, qui sont dans le tournoi, qui ont une game, vous n'avez qu'à m'inviter. Stream dispo apparemment en haut, ça veut dire que voilà, à la bala, il a fini sa game entre les deux joueurs. On attend une game sur le stream. Malheureusement, je ne peux pas vous en proposer. Et ce que je vais lancer ladder, non, je pense que tout ce qui est ladder, ce sera après le tournoi, parce que j'ai quand même dit que je tournais le tournoi, alors je le fais. 27 bénin en production, 2 sommes pop des deux côtés, on est à 19 minutes de jeu, donc c'est plutôt raisonnable, hein, arriver à 200, bon, à 19 minutes de jeu, ça peut se... Des joueurs de niveau bronze, c'est compréhensible. Je crois que Zael est gold, hein, par contre, Doliprane, je ne connais pas sur le jeu, on va aller voir ça ensemble sur StarCraft 2. Il y a peut-être un game Doliprane. Ah bah, Doliprane, nous allons voir le profil de Doliprane, qui est un joueur argent, 11e argent. Donc un niveau, on va dire, plutôt raisonnable. Les infestors qui s'enfouissent, c'est ça que ça peut proposer. Oh là là, le scan, il est beau ce scan, il peut renverser la game. Parce que si jamais Doliprane venait à scan ses infestes une nouvelle fois, avec toutes ces... Oh là, il y a un gros steam, par contre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Si jamais Zael décidait de soulever ses infestes, il va faire master à m'infester. Malheureusement, ça va être un petit peu en désespoir de cause, il va perdre tous ses infestes. Oh, il a même pas eu le temps de lancer. Il a lancé 1, 2... Attention, est-ce qu'il y a eu des marines? J'ai pas vu ce que nous a montré. Ah non, tous les marines sont pris rouges. Il va falloir compter. Oh là, Infestor à 1 PV. Courageux. C'est dommage parce que s'il avait été peut-être. Il avait emmené les Banelings pendant les Flying Gull, il aurait tout fait. Attention au split de Doliprane qui n'a pas l'air vraiment au rendez-vous. Voilà, c'est l'armée Zerg là qui est en train de rouler sur la Méterrane, mais il y a beaucoup de tanks. On sait ce que ça fait quand on est Zerg de devoir remonter une colonne de tanks comme ça, ça fait jamais plaisir et ça se montre aussi, hein. Zael qui a perdu la fight, mais qui relance le Futraliste. Donc il se met bien, quoi. Voilà. Il se met bien. Toujours pas de game sur... Toujours pas de game sur StarCraft 2. Sans que King est un coréen, voilà. Dans les joueurs qui sont dans le canal, mais a priori, il n'y a pas de game... particulière, donc on attend gentiment que ça se fasse. Ah, le stream, l'autre stream qui n'a pas de game, on va voir s'ils ont une game sur stream bio. Le stream bio qui a une game, donc voilà, on va t'inviter, c'est ça qui est génial. Bon, en même temps, c'est bien de caster différentes games. Attention, toute l'armée Zerg là qui va rouler sur la Méterrane, il me semble que les tanks sont pas en mode siège, ils sont en mode siège, mais il y a tellement d'ultralisques et tellement de Zerglings que toute l'armée Terran est fondue comme neige au soleil, et du coup, bah, les ultras vont se rendre avec leurs 5 de défense dans la base Terran et finir la partie, je pense, en faveur de Zael. Je vais vous faire un petit point niveau arbre. De toute façon, vous savez qui va gagner sur l'autre manche. Merci aux gens qui me suivent, ça fait plaisir. Bon voilà, donc la game qui était castée là sur l'autre stream, c'est Diablo vs Monsieur Ogburn, et moi j'attends une game. Hein. Je vais mettre ça en gros. Voilà, invitez-moi, car... Enfin, c'est ça, sur les canaux, je savais même pas, on pouvait pas envoyer plus de 8 messages. Donc, 3 messages à l'issue. Bon, on va voir les replays un peu upload. Diablo contre Scatter0, d'ailleurs, Scatter0 qui me suivait au début, c'était marrant. Et Sonic qui m'invite. Ah, peut-être une game à jouer. Passer en attente, comme vu que là on a plus de tournoi.
j'attends avec impatience Sonic contre Arthurus, ce sera l'homme pantoufle. Voilà, je suis invité. De jouer contre l'homme pantoufle, a priori, mais je ne sais pas s'il va y jouer. Quel sera son projet de vie à ce Enix. Ce Enix qui a battu Knows, Dragon Toy qui est là. Est-ce que c'est ce que je connais des gens, je vois. Zael là qui joue contre donc de Yupran en milieu de l'arbre. Il nous reste ces matchs là au deuxième tour et on arrive en BO3 enfin. Ok, l'homme pantoufle, on va voir le profil de l'homme pantoufle qui a un pseudo très très amusant. Il est gold et ce Enix il est gold. Donc un match peut-être plus intéressant que la reste des joueurs. Sonic c'est ZVT, donc un petit ZVT qui se révélerait intéressant. Donc voilà, on va se lancer gentiment sur une game j'espère le plus pertinente que l'on puisse trouver. J'ai le deux joueurs, j'ai envie de dire. La game qui se lance. Entre Sonic et l'homme pantoufle. L'homme pantoufle est vraiment pseudo rigolo. Après, est-ce que son niveau est au rendez-vous avec son pseudo? Sonic, un petit pseudo aussi rigolo. Et on attend que la game se lance. Pas trop ce que ça va proposer. Là c'est des joueurs gold, donc bon, en gold on joue plutôt sérieux après. On va voir. C'est parti entre les deux joueurs. Voilà, il y a peut-être des joueurs qui ont fini sur le fondement. La revanche, je ne sais pas s'ils sont... déjà rencontré en poule peut-être hein. En tout cas je vais vous laisser regarder ce début de game parce que moi je vais aux commodités, donc de toute façon je devrais voir un début classique. Les gens, j'en vois des gens comme ça qui me parlent, qui se rejoignent sur le stream, donc je vous dis à tout de suite, j'en ai pour 2 minutes même pas, je vous mets dans la vision d'un joueur et je reviens.
Voilà, mais voilà, alors excusez-moi pour ce petit AFK, on a donc Sonix qui a fait une poule, une first match, pardon, et qui pose sa poule après, la game va trop vite pour moi. Les deux petits scouts qui se sont croisés, l'homme pantouf qui a les scouts, qui est parti sur une baraque et un gaz, donc peut-être un réacteur Hélion, il va avoir son gaz, on va voir, ce petit VCS, ah oui, regardez là. Il a cliqué sur un minerai, vu comment il bougeait, le first blood, ah là là, first blood de cette partie, voilà, ce sera donc un réacteur Hélion, je pense, un côté pantouf, ou en face Banshee s'il pose un gaz maintenant, je sais pas. Nous allons voir ça. Un petit marine qui va sûrement passer à l'axe de Naga, toujours pas de gaz. Deux marines qui vont peut-être aller agresser la B2. C'est la première game que je vois dans ce tournoi où il y a une first clash. Hein, donc c'est quand même assez étonnant de voir une first clash comme ça envoyée. L'Overlord qui est bien positionné. Donc là pour le moment les joueurs font un début de game d'un niveau qui est acceptable, disons. On a le petit marine qui les deux petits marines qui ont pris l'axe de Naga. Ça par contre c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire en Terran de prendre l'axe de Naga avec ses marines. Pour la simple et bonne raison que si votre adversaire choisit, voilà, bah, vous perdez des marines bêtement, et s'il choisit derrière d'envoyer de vous all-in sur Mass Zerging, vous n'avez plus rien pour vous défendre chez vous, vous avez que les deux Hélions, et voilà, en place, s'il go, vous n'avez plus de marines chez vous, là l'adversaire Zach pourrait très bien attaquer, et là, vous perdez pas, ils peuvent rien vous faire le Zerg, mais disons qu'il vous fait chier le temps que vos Hélions sortent, et c'est toujours relou. Donc on a une spine qui a été posée à un timing un peu early à du côté Sonix, mais il prend ses précautions, il a bien raison, vers 15 minutes 50, un truc comme ça. En tout cas, on a une marine qui a l'axe de Naga, excuse-moi. On a les petits Zerglings qui vont venir le titiller, je l'espère, en tout cas pour qu'on ait un peu de bataille dans cette game quand même, pour qu'on se fasse chier au niveau des fights, voilà, et c'est le deuxième blood. Franchement, au niveau des perdus, deux marines contre un Zergling et un drone, c'est complètement fou. Voilà. Au niveau de Sonix, il envoie un drone dans la main, pourquoi il veut peut-être avoir le nombre de drones suffisant. Enfin, il a fait comme ça, il a fait, allez, je veux bien le nombre de drones. Et puis j'en envoie deux au gaz, il faut que j'en envoie un dans ma main. Il sort 3 gaz, Sonix, donc là, a priori, il nous propose un build intéressant, il nous propose un Spanish UA build. Une tout 3 gaz, donc le build de symbole. Et là, les 4 premiers lions qui contournent. Ça, c'est idiot de faire contourner les lions, de toute façon, toujours Zerg s'attend à Oélion, donc ça sert à rien de les faire contourner les Xenaga. En plus regardez, hop, ça arrive dans le Xenaga, c'est juste plus long, donc aucun intérêt. Les Oélions qui vont arriver, il y a une spine de 3 queens, donc là ça va pas du tout passer. En plus regardez un peu le, oh là là, énorme erreur de l'homme pantouf qui va même pas, ouais, l'homme pantouf qui aurait mieux fait d'aller dans la main. En plus il va se commit sur les queens, l'homme pantouf qui ne fait pas une très très bonne opération. Il a pris 0 drone pour le moment contre 3 lions, il a pris un récolteur vraiment au sud du début, il est toujours à 0 récolteur tué, hein. Là il vient d'en prendre 3, mais à quel prix, regardez, il interrompt juste le minage et ça ne met pas tant de vent que ça. Il avait pas de B2 je crois, l'homme pantouf, donc ça certainement ne pas cette tiaras de lion qui voulait faire gagner la game. Au passage, Sonix qui fait pas la meilleure des opérations en prenant tous ses drones et en faisant un clic droit, regardez, parce que ça pourrait faire vraiment des brochettes de drones. Et du coup, heureusement qu'il a fait une petite erreur aussi en montant ses queens. Mais bon, ce sont des joueurs gold, et c'est un all-in. J'ai l'impression de la part de l'homme pantouf qui est vraiment très 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 belliqueux et qui pense pouvoir remporter la partie en faisant un all-in sur une base avec des tanks matières et des marines, à moins qu'il n'aille poser une B2. Voilà, maintenant il la pose un peu tard. Moi je suis plutôt habitué, disons qu'en platine diamant, avoir des B2, bah voilà, je s'appelle réacteur réunion. Et ce Toverlord qui est bien fait d'être avancé, ça donne la confirmation à Sonix que c'est pas en ligne. Et l'homme pantouf qui a très très peur de se faire agresser et qui pose double cœur. Alors c'est bizarre, il a vu quand même beaucoup de drones niveau income. Vous pouvez voir, il a 44 contre 28 Sonix. L'homme pantouf qui est un petit peu dans la merde, à vrai dire, il a posé sa V2 trop tard. Certes, il a la technologie mode siège, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de développer cette technologie comme ça, même le steampack, si on n'attaque pas dans les minutes qui suivent le développement de la technique, et laisser le Zerg s'expandre comme ça? Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon choix. Je pense que la meilleure des choses est à chaque fois de toute façon d'aller agresser quand on fait voilà, ce qu'il va faire quand on développe une technologie, s'en servir, parce que sans ça, ça n'a aucun intérêt. Bon, enfin, vous me direz, quand on fait des ghosts, on est obligé d'attaquer, ou quand on fait des colosses, on est obligé d'attaquer. Oula, les queens qui sortent, elles veulent stopper ces marines. Bah, c'est pas une mauvaise idée, mais bon, j'aurais pu rester à la poser du crit. La répartition de creep qui n'est pas forcément mauvaise côté Sonix, là il joue bien, mais là il va falloir qu'il produise Mass Zergling quand vu l'agression qui est en train d'arriver. Il ne faudrait surtout pas que l'homme pantouf steam ses marines. Voilà, très très, voilà, il joue bien l'homme pantouf, regardez, il n'a pas steam ses marines.
Du coup, ils sont encore full life, ils vont pouvoir steam au bon moment, très bon positionnement du tank, juste pour produire forcer le Zerg à produire des unités, mais derrière, pas très bonne macro du côté de l'homme pantouf qui ne fait pas de VCS, c'est sûrement son erreur là, et du coup, certes, il agresse, mais pas de VCS, un wall pratiquement perfect. Ah non, il reste un petit passage ici. Donc un wall quand même voilà quoi, un vrai wall. D'ailleurs c'est Sonic qui se laguait, je me demandais pourquoi laguer. Et là c'est très très bien joué. Attention, regardez le temps qui n'est pas mis en moitié, je l'aurais tout à fait pu attaquer. Maintenant il y a des renforts de l'homme pantouf. Il faudrait que l'homme pantouf aille choper ses renforts. L'homme pantouf qui va sniper le tank. Ah c'est dommage. L'homme pantouf qui a perdu beaucoup de... Non, je dis Sonic, je dis l'homme pantouf, c'est Sonic qui a perdu énormément de zergling. Bien sûr, regardez au niveau des unités perdues, il est derrière. C'est dommage d'avoir voulu sniper ce tank comme ça, parce qu'au lieu de morpher des buildings dans sa base, parce que là du coup il s'expose vraiment à l'agression vraiment énorme là de la part de, regardez, les rally points des baraques, voilà, qui sont pas mis encore en shift en rally point vers la base du Zerg, mais ça va pas tarder je pense si l'homme pantouf se rend compte qu'il y a vraiment moyen de faire du dégât. Là il laisse un peu le temps à son adversaire de sortir les métallistes, de sortir beaucoup de Zergling, voire de bending. Il a énormément de gaz, là il faudrait qu'il sorte, aller il morphe tout ça en bending, de toute façon il a pas le choix, voilà. 17 bending en prod, ils vont arriver à temps. On va voir le split d'un gold, je suis curieux, enfin, ça m'intéresse, voilà. Et au niveau des options graphiques, je crois que... Ah merde, je vais faire la guette, parce que je voulais savoir s'il y avait bien l'animation des bendings qui crevaient, des marines qui crevaient sous les bendings. Nous verrons ça dans quelques instants. Oh là là, énorme erreur de Sonic. Ah oui, il y a bien la petite animation, voilà. Énorme erreur de Sonic, mais en plus le split de l'homme pantouf qui est tout à fait raisonnable et il s'expose vraiment à une défaite là-dessus, Sonic. Puisqu'il est en train de lui prendre l'arrivée dans la gueule, là regardez, il arrive avec ses bendings, il a fait un clic droit, il a fait non, il a un reclic droit pour se barrer, du coup il en fait les frais, et voilà, les frais c'est tout simplement, eh bien les tanks dans sa base, et une B3 qui risque de tomber, il faudrait quand même que dans sa base, l'homme pantouf, qui a quand même une macro pas dégueu derrière, pense à peut-être de chercher les midivacs, parce que là, ces marines ont pas une vie infinie quand on estime, la B3 qui vient de tomber, bon là je pense que là il y aura assez de bendings pour venir à bout des marines. Donc c'est bien joué, même, mais attention, hein, faudrait pas que l'homme pantouf, que Sonic se commit sur les tanks de l'homme pantouf, qui les a bien positionnés, qui plus est, qui vont taper eh bien deux shoots quand les... Ah, non, faut pas qu'il les détiège, hein, c'est voilà. Voilà, c'est tellement beau, regardez, si les bendings s'avancent, ils vont prendre trois tirs de tanks, boum boum boum, et ça one shoot, je crois, hein, quand les bendings n'ont pas de défense, c'est 30 PV, et ça tape du 35, donc voilà, ça one shoot les bendings, voilà, qui sont sacrifiés ici, c'est vraiment dommage. Là, il aurait même pas eu besoin d'envoyer les bendings, hein, là il a perdu énormément de bending, là tu se dis, regardez les unités perdues, et là du coup c'est l'homme pantouf qui en profite pour avancer petit à petit, il a bien raison, il renvoie des renforts en plus, derrière son adversaire sort les métalliques, ah cela dit les métalliques sont bien micro-gérés, ils vont venir à bout d'un sens, mais tellement de bending tués, et useless finalement, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de bending pour tuer le reste de l'armée, le 1-1 qui va arriver je pense au bon moment quand même, hein, pour reboot un peu l'homme pantouf qui est vraiment très très belliqueux et très très agressif, en ce milieu de game. Oh là là, s'il venait à cancel l'amélioration de Benning, ce serait tout autant catastrophique. Il n'y a que 4 mutalistes et c'est pas beaucoup face à autant de marines. Oh là là, erreur des marines qui ne tapent pas les mutas. Voilà, il a bien entendu le moment où les Goldings sortiraient. Et il va enfin pouvoir reboot. Mais à quel prix, Sonic se fait très très mal. Mais finalement, l'homme pantouf l'est tout autant. Hein, 37 récolteurs, il n'a pas du tout droné. C'est quand même dommage, hein, ce que fait l'homme pantouf, de ne pas droner quand tu prends un avantage comme ça dans la game. Ça coûte rien, je pense, de faire... enfin, voilà, en plus, est-ce qu'il a un groupe de... Est-ce qu'il a des groupes de contrôle, l'homme pantouf? Mais oui, il a ses groupes de stations orbitales qui ont d'ailleurs beaucoup d'énergie. La micro de l'homme pantouf qui a l'air de prendre rendez-vous, la production aussi, mais pas la production de VTS et l'énergie des DCC. Donc bon, est-ce qu'on pourrait critiquer ça chez un joueur du niveau gold 10e gold qu'a l'homme pantouf? Je sais pas, je vais pas me permettre de donner des suppositions sur les levels, moi je ne fais que commenter. Je donne plus des des appréciations sur les levels plutôt et les stratégies des joueurs qui sont diamant top master, parce que là clairement s'ils font une erreur et c'est un petit peu grave, alors que là si l'homme pantouf voilà, pose des supplies comme ça, c'est pas gênant, il est que en gold, alors que là si un master fait ça, il y aura du what the fuck dans l'air, mais voilà. Donc d'ailleurs faut que j'arrête de parler de ça, parce que finalement là je suis en train de critiquer ce que fait l'homme pantouf, et il joue bien depuis le début de cette partie, puisqu'il a fait du dégât sur les homologues Zerg et il a posé des tourelles au moment où il fallait pour reboot ses mutalisques. Voilà, les mutalisques qui vont être reboot. Peut-être qu'on aura d'autres joueurs et des levels peut-être plus élevés en cette fin de game, des top gold, je sais pas, des anciens platines, nous verrons ça. C'était quand même, on reste le thème de ce tournoi était quand même le noob tournament, donc moi ça m'a fait plaisir de caster des games de noob, parce que finalement je casse que des games de master,
si vous n'étiez pas là au début, je vous l'ai dit, et du coup ça me fait plaisir de voir un peu les stratégies qui sont adoptées en duel, puisque je joue aussi dans les ligues basses et je me fais... Donc les joueurs sortent des BO que je ne connais pas. Évidemment, je ne sais pas des BO du tout classiques. Voilà, jolie cadavre de l'ultimarine là, avec sa petite arme. Donc voilà, voilà, et ça c'est une erreur, par exemple, un de l'homme pantouf qui n'a pas fait de switch sur sa B2 et qui, niveau Nicom, est vraiment low, hein, 44, c'est pas énorme. 15 drones en production. Et c'est étonnant cette compo de partir vers du... je vais pas arrêter de répéter, c'est étonnant, mais voilà. On a donc plutôt le flamme bleu qui est en recherche. Donc une compo, a priori, marine, flamme bleu tank. Donc c'est pas idiot, parce qu'a priori, partir flamme bleu contre du Hélion, du Bending... c'est ça, du Hélion flamme bleu partir contre du Bending Zergling, ça peut faire mal. Après, les Zerglings vont être de 2, il est au taquet sur ses améliorations, Sonic, donc attention. J'ai l'impression qu'il utilise bien les groupes, regardez ces groupes de contrôle, ces groupes de queens d'injection, regardez les queens qui injectent tout en même temps. Donc c'est plutôt bien joué. Hop là, il a injecté, je pense, voilà. Il a même posé des sport colors, ça c'est un chouette. J'espère qu'il n'en a pas fait trop parce qu'il n'y avait pas de Banshee, non, il avait limité en plus, il va à T3. Ah donc oui, T3, forcément. Ruche en production. Et des glandes pathogènes. Donc un early T3. Beaucoup de Zerglings sur la carte, par contre pas beaucoup de Bending. Niveau Bending, nous sommes à 0 étant donné que le Benningness, le carré de cafard, pas le carré de cafard, le nid de chancre a été détruit, j'utilise du mot anglais, donc voilà. Les tanks comme siège qui sont siégés, oh là là, c'est beau. Regardez les mutas qui arrivent au bon moment et les marines ne peuvent pas défendre ces tanks. Et ça c'est vraiment catastrophique, ça fait 3 tanks gratuits donnés de la part de l'homme pantoufle. Du coup ça va nettement limiter son agression et Sonic qui a tout à fait ses chances pour revenir dans cette partie. Hein, et pour même la gagner, à cela dit on a un très très joli double front, ça c'est vraiment beau. C'est vraiment beau parce qu'en gold les joueurs ont du mal à gérer les doubles fronts et voilà, et du coup il va monter ici l'homme pantouf. Attention à ces bendings qui ne devraient pas être utilisés, il n'en a pas besoin. Hein. Ah bah voilà, tous les marines qui sont morts sur deux bendings, donc c'est parfait. Allez, il faudrait qu'il siège, il dit ouch, il ferait mieux de siéger plutôt que de dire ouch, là tu l'homme pantouf, c'est vraiment dommage. Et les bendings qui vont aussi venir à bout des tanks, voilà, hop là, il n'y a plus rien. Les mutins qui sont dans la base de l'homme pantouf qui font un peu de dégâts. Au niveau des améliorations des marines, on est à 1-1. Les mutins sont 0-0 je crois, oui. C'est dommage parce que l'homme tout avait fait un très très bon début de partie, mais malheureusement il n'a pas géré sa macro-gestion derrière, il n'avait pas beaucoup de récolteurs, voilà, ça se trouve encore, il est 4-33. Petite erreur de micro-gestion de l'Emuta, mais je pense que si jamais le Pantouf faisait beaucoup de bending, ça viendrait à bout de la base de Sonic. J'adore les dire l'homme Pantouf en fait, donc je répète que ça. Mais là on a quand même pas énormément de bending, face à, on a combien de tanks? Oh ben on a plus de tanks. Donc là, là par contre il a juste à clic là-dessus, Sonic il a gagné je pense. Il va tuer tous les VCS B3. La APF sur B3 aussi, ça peut être intéressant quand on est en difficulté. Attention, les Zerglings là qui devraient mieux d'attaquer l'APF. Et c'est dommage. Ah, et ce qui est dommage là-dessus, c'est que les Bénignes vont exploser sur la planétaire forteresse au lieu d'exploser sur quelconque marine ou VCS. Donc du coup, les certes, il a snipé la B3, mais c'est pas mal en fait de sniper la B3. Petit contingent de marines au Bezel et sur la B4 du Zorzag, énormément de marines qui de Zerglings qui reviennent peut-être pour attendre un drop. Là je sais pas trop pourquoi tous les Zerglings sont ici. Côté l'homme pantouf, on est en dessous au niveau de la pop. Hein, en plus il y a les améliorations de T3 Zerg qui sont en recherche, c'est ça avec Jones sur Anal, ça peut clairement faire mal à Sonic, mais quand même Sonic perd énormément de récolteurs depuis le début de cette partie. Hein, regardez, il tire qu'il est à 56 pour que son adversaire ne drone pas, mais faut qu'il se méfie. Là par contre si je pense que Sonic n'a pas forcément intérêt à attaquer, il joue bien depuis le début de cette partie, il a réussi à défendre au début. Il a joué bien, je pense qu'il a bien joué, pardon il a joué bien. Il ferait mieux d'attendre ses ultras sur les 3-3. Il a d'attendre ses 200 et de faire un gros clic sur la méderne qui sera sur B2, sur 36 récolteurs, l'armée terrestre qui sera pas énorme. Donc Sonic qui certes il a envie de finir la partie, il sent qu'il y a une fenêtre de tir vu le reboot de son adversaire. Son adversaire qui est très étonnant aussi puisqu'il dit ouch. Au lieu de micro-gérer. Voilà, Sonic, l'homme pantouf qui va attirer les Zerglings. Pas mal de Zerglings qui sont morts et il a forcé un steam, Sonic, c'est pas idiot. Du coup, il n'y a pas de Medivac, ça c'est une erreur impardonnable d'un part de Zorteran. C'est de ne pas faire de Medivac, ça veut dire que le Zorteran ne débloque pas sa tech et le tech Terran, on peut le savoir. Bon, le Zorteran n'est pas énorme, hein. Il y a 3 bâtiments en Terran. Hein. Donc c'est vraiment pas énorme, alors que voilà, regardez, en Zerg, il peut développer 3 tiers, voilà, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Donc c'est beaucoup plus long. Là voilà, les améliorations des attaques de Mélézerg sont maintenant à 125 sur 220, donc sont plus très loin d'être finies, elles sont à la moitié. La B3 qui peine à être reposée, le temps qui va être mis en mode siège,
des lions qui sont popés et enfin j'ai envie de dire des améliorations niveau 2 des unités terrestres. Alors attention à ces Zerglings là qui vont pas faire grand chose contre tous ces lions. Un bon hit and run, regardez. Oh le circle qui est magnifique aussi du côté Phoenix. Même si ces unités sont pas adaptées aux lions flammes bleues, regardez, il y avait beaucoup plus de. En principe, une bonne micro-terrane aurait tué tous ces Zerglings et là Sonic s'en sort très très bien. Malheureusement, Sonic qui va repère des récolteurs. Il y a une spine, c'est pas idiot, mais regardez, hop là. Oh là, je sais pas ce que j'ai fait. Un petit round-by à joli micro de Sonic qui va finalement se défendre avec brio. Niveau unité perdue, et bah Sonic c'est toujours un petit peu derrière, mais en même temps c'est un Zerglien. Bon PV pour ce tourmenteur à 10 kills. Ça va vite quand même les unités, les lions. C'est un peu la unité rapide côté Terran. Il y a cette game qui dure, là on est à 25 minutes de jeu, toujours pas vraiment de précision sur le vainqueur de cette partie, à part que quand même là maintenant il est 3-3 sur ses Zerglings. Sonic il a les Golands sur Rénal, ça devient des Zerglings de luxe à 8 de dégâts face à des marines qui sont pas tant améliorés que ça. Double front, alors ça c'est étonnant, il a envoyé toute son armée pour un lion pendant qu'on a Randbyte dans la V3, et c'est ça, dans la V5 pardon, et c'est sûrement sa V5 qui va en faire les frais, c'est dommage d'avoir voulu tuer ce lion là-haut. Alors attention, est-ce que les Zerglings vont arriver à temps? Ah la hache qui n'est pas focus, ça c'est une erreur de l'homme tour qui aurait pu la finir je pense, mais du coup bah il en fait les frais et les lions ça ne tue pas une couveuse, et là avec la défense en plus des Zerglings ça va être très dur pour l'homme pantouf d'essayer de tuer ces Zerglings là. On a 130 débats. C'est étonnant ce Nyx là qui ne se sert pas de ses unités de 3 très très améliorées. On est à 5 3 sur les ultras. Il pourrait y aller hein, parce que du coup là il a attendu que son adversaire sorte des tanks siège. Oh, y en a... C'est pas énorme quand mode siège. Hein. C'est pas énorme. Et là il faudrait que maintenant l'homme pantouf lance ses améliorations niveau 3. Ici. Il ne les a pas lancées, c'est bien ballot. Le tournoi se finit quand? Je réponds peut-être aux gens, je pense pas. Je peux pas dire. Enfin, je pense que le tournoi, de toute façon, ça peut se finir à minuit. Hein. Le tournoi, c'est une star. Hein. Quand on organise des tournois et qu'on est à minuit, on se doit de rester jusqu'à. Oh, attention, les infesteurs qui ne lancent pas leur fingal. Et il y en a 3 qui ont été snipés gratuitement de la part de l'homme pantouf qui, en plus, 3 tanks matières qui ont été sortis. Oh, mais l'homme pantouf qui fait un retour dans cette partie complètement magnifique. Regardez, il prend une très très bonne fight, un ultra disque qui tape. C'est magnifique ce que fait l'homme pantouf, il devrait bien suivre ses marines là. Il revient dans la partie, je sais pas ce que fait Sonic, s'il aurait pu prendre un avantage décisif, il ne l'a pas pris et du coup bah voilà, tous ses marines vont mourir, mais à quel prix au niveau de l'unité perdue, il est toujours derrière hein, Sonic, il a perdu beaucoup. Niveau incom, il est bien devant quand même. Hein. Niveau incom, ouais, 1700 contre 1200, il est bien les lions qui vont se faire aligner. Je vais tenter une micro l'homme pantouf, mais ce sera en vain a priori, voilà, c'est lion qui tombe. On avait un petit contingent de marines qui se met sur le creep, une expansion du creep, donc est pas dégueu. Côté Phoenix, l'ennui c'est qu'il n'en a pas ici du creep et ici, il s'est concentré sur cette partie de la carte. Et là c'est cette bégate qui va en faire les frais qui va tomber instantanément grâce à cette troupette de marines là. Et la bégate qui va tomber 100 PV, 150, 50. Ah joli split, regardez, joli split de l'homme pantouf. Oh c'est dommage. L'idée était tellement bonne de la part de l'homme pantouf de séparer ça pour éviter les fungules et finir la hache. Malheureusement, la réalisation n'était pas au rendez-vous. Il était en train de micro-gérer au milieu de la carte. Il s'est joué les round-by, l'homme pantouf. Il a bien raison. C'est comme ça qu'il faut jouer un joueur qui a beaucoup de base. C'est en lui faisant des round-by, en prenant sa position au milieu de la carte, en prenant B4. Vous voyez ce qu'il ferait B4. Il est un petit peu en retard au niveau de sa B4, mais là, s'il venait à tuer cette base et celle là-bas, il serait vraiment bien là-dessus. Hein. Il faudrait qu'il tue B4, B5 de chez Sonic. Là il y a quand même beaucoup au niveau des arines qui sont vraiment bien améliorées. Regardez comment ils tankent bien les tirs de tank. Ils ne meurent pas. Et les tanks d'ailleurs qui sont pas améliorés. Hein. C'est d'ailleurs, ça passe du combien les tanks? Ça passe du 15. 35, alors attention. Ah oui, excusez-moi, c'est parce qu'ils étaient hors mode siège, là j'avais un bout, là, what the fuck, tout à l'heure j'avais mis 35. Attention, on essaye de prendre un double front l'armée là, grâce aux infestors. Un petit fungal qui est complètement loupé, un autre fungal je pense qu'il va être loupé, voilà, hop là, je prédis bien les choses moi, on a même des titans infestés, l'idée n'est pas mauvaise, mais regardez les tanks sont bien micro-gérés, il faut qu'ils se donnent les infestes, et il est en train de tout perdre, ce dessin. Je trouve même sûr que la game c'est cool, il perd des unités un peu gratuitement, oh là là, c'est ce tank qui vient sniper les infestes,
je sais pas, c'est peut-être une erreur de micro-gestion qui se révèle magnifique. Regardez, il va sniper un autre. Il est à 3 infestes, ce tank peut-être, mais il est à 4 infestors, mais vraiment, quelle micro-gestion de l'augmentouf. Il a combien d'APM? 107 d'APM, les joueurs qui sont très très chauds pour des joueurs gold, qui ont un APM assez monstrueux. 31 minutes que la game a débuté, la game reste encore très serrée. Donc Pantouf qui tient sur B3, il faudrait qu'il pose B4. Regardez, il ne mine plus ici, il ne mine plus ici, il ne mine plus que là. Et regardez niveau income, ça se vérifie, hein, 800 contre 2000. Et là, il faut absolument que l'homme Pantouf prenne une base. Lui, Sonix, il a pris toutes ses bases, donc il est très bien. Il a combien de larves, Sonix? Il a 17 larves, malheureusement. Les injections doivent pas être, voilà, 187 d'énergie pour la queen. Les injections sont pas parfaites, mais ça, c'est normal, hein, pour des joueurs de ce niveau-là, on peut pas faire des injections réglées au poil de cul. La partie qui est vraiment longue, on va voir ce que ça va donner. Ce serait bien qu'un vainqueur se profite pour l'avancée du tournoi. Parce qu'en plus, là, on va rentrer dans les 2 ou 3, donc ça va vraiment être long. DBGN qui vont être morphés, voilà. 20, 26, 30, 35 bénés. Il y a combien de tanks pour reboot ça? Il y a 4 tanks quand même, hein. Tout peut se jouer au niveau des tanks. Je l'explique de l'homme pantouf qui va, je pense, renverser la partie. Si pantouf... Oh là, il n'y a pas l'amélioration des bénins. Oh, catastrophe. Où est l'unique des bénins? Oh, catastrophe. Il vient de se rendre compte. Là, il faudrait qu'il la lance. Il lance les broodlords, Sonic. C'est pas une mauvaise chose, forcément. Je vais faire un petit point au niveau de l'arbre. Je regarde s'il n'y a pas de fight quand même. Et s'il y a une fight, attendez. Pas que je loupe cette fight avec tous ces bénins qui seraient complètement susceptibles de faire tout deck tous ces VCS. Alors là, ce serait le move du tournoi sûrement. Si tous ces VCS venaient à tomber, on est déjà dans les 2-3 sur chaque aura ce plateau. Et un round by de Marine encore. Et encore de la part de l'homme pantouf. Attention. Non, il faut qu'il y ait la guerrière, il n'y a pas de défense. Regardez. Tous les VCS qui se réparent eux-mêmes. Voilà. Et c'est la fight qui est engagée finalement sur les tanks. Les bénins qui arrivent au compte-gouttes. Oh, regardez un peu tous les bénins qui sont tombés. Et les bénins qui ne sont pas sur les marines. Les bénins qui essayent de foncer, j'ai l'impression, sur les marines, et malheureusement il a perdu énormément. Sonix, regardez les unités perdues des Sonix qui sont assez impressionnantes. Il a beaucoup de mal, hein. Sonix de cette partie, regardez un peu la pop, regardez les bases de... Il a plus que ça, hein. Il a plus que cette base, même pour tout, mais il arrive à tenir, et c'est ça qui est un peu ouf aussi. Mais là, je pense que les Broodlords, clairement, vont venir complètement à bout de l'armée de l'homme pantouf, et vont finir la partie en faveur de... De Sonix à maintenant, il aura eu le mérite, l'homme pantouf, de tuer énormément d'adversaires. Hein. Malheureusement, ça va un peu l'annihiler, vu le nombre de marines qu'il y a. On est à 19 marines, 6 maraudeurs pour reboot des broodlords. Ça va être très très dur. Et là, je peux vous dire que là, l'homme pantouf est dans la merde. Avec tous ces VCS sur la B2, il y en a 54 sur B2, ça fait beaucoup. Sur une base, même pas sur B2. Oh là là! Quelle partie de joueurs de niveau débutant. Et il dit GG et GG. Bravo. On a trouvé ça depuis longtemps, le GG là quand même. Hein. Millennium Dragon qui se pointe dans la discussion générale, je crois que c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Voilà, pour ceux qui suivent le stream, on les remercie. Comme moi, je les remercie. Je rappelle que j'enregistre. Pour tous les gens qui ont été suivis sur le stream, vous pouvez vous revoir. Alors là, attention, je regarde. Dastan contre Kous. On va voir Dastan contre Kous. C'est du 2-3. Ok, donc je vais mettre un petit starboard. Je mettrai le score et puis le score de game, j'aurais ignoré tout ça. Encore un ZBT, beaucoup de TBZ dans ces parties sur chaque coin de plateau, donc quelque chose de sympathique. Et voilà, on est lancé entre Dastan et Kous. Un joueur, j'ai pas le temps de voir le level. Un joueur de niveau gold et un joueur de niveau gold, je suppose. Si vous connaissez le level des joueurs, n'hésitez pas à me whisper. Et voilà, on est lancé entre Dastan et Kous. Je vais mettre le score, vu qu'on est à 0-0. Alors attendez, vous allez avoir ça qui va apparaître. Player 1 et Player 2, en effet. Voilà, je vais régler tout ça. Le temps que la game commence. Alors voilà, il est Ligue Or. Et lui, top, il lui demande quelle ligue il est. Ça peut peut-être m'aider.
coup, s'il y a deux S, merde, je sais pas s'il y a deux S. Ouais, il y a deux S. Alors, coup, c'est un joueur Terran, Dastinal pour violet Zerg et rouge pour Dastin. Je vais vous mettre même le nom du tournoi, c'est qui est fort. Regardez un petit peu le skill, je peux même mettre le score et le nom du tournoi. Donc c'est bien le Noob Tournament entre Kous et Dastan. On est donc sur plateau de Chakouras. Et le scout que j'ai envoyé est directement côté Dastan pour un peu voir ce qu'il se passe. Les deux VCS qui se croisent, voilà, les deux récolteurs, les deux joueurs qui se disent coucou. On a un gaz, oula, un joli petit chiffre, attendez. Elle s'est bien amusée, voilà. Petit itinéraire et porte-hache. Porte-hache tranquille côté d'Astan qui va poser sa poule sûrement à 15 ou à 16, voilà, ça dépend de si vous jouez map ou pas. Le scout qui va directement aller dans la B2. Le scout de Dastan qui est là aussi, qui voit qu'un gaz, qui va savoir que c'est sûrement Raptor Lion. Et petite erreur de la part de Kous qui ne wall pas en TVZ. Alors ça c'est vraiment étonnant de ne pas wall, même les... Tout le monde wall, hein, même les coréens wall en TVZ. Parce que là, Round by the Zerging Speed, il est un peu dans la merde. Kous, il va se rendre compte, il va fermer son wall plus tard. L'ennui c'est qu'un wall à base de supply, ça se fait péter avec des bending, mais allez, il y va finalement. Je trouve ça étonnant de poser la raxe d'y aller, parce que regardez, il a pas lancé de marine, donc quel est l'intérêt? Il lance pas son, son orbital commande, petite erreur de Kous aussi, qui doit être, je pense, argent ou gold. De toute façon, on peut pas être plus, hein. Mais je pense argent, parce qu'en gold, en principe, on lance l'orbital commande dès qu'on a la... Allez, la lance à 17 de pop, c'est à 15 en principe, hein. Donc de toute façon, il n'est pas dans les normes du BO, c'est normal, hein. Il apprend. Un petit drone qui va gentiment faire son itinéraire, qui a bien scout. First Watch, on va voir s'il y a eu un gaz, ça n'a pas été un scene build, a priori c'est un roach build. Je dis roach build moi quand c'est pull hatch, pull gaz pardon, mais je sais pas trop ce que ça veut, ça signifie grand chose. On a un autre scout, ou alors tout simplement une erreur de Dastan qui a poursuivi le récolteur. La hache qui vient de se finir côté Dastan, le petit gaz build, ça peut être intéressant si un adversaire veut partir sur Pass Banshee. On va voir si, si la Kous, comme à l'autre partie contre l'homme pantoufle, décide de prendre rapidement... choisir rapidement de prendre une expand, parce que l'autre partie il avait pris une expand très tard, et c'est sûrement ça qui lui a coûté sa partie, sa prise d'expand très tard et son agression qui finalement il n'avait pas droné derrière, donc oula, c'est un peu gore quand même le gaz quand il a joué. Son agression de l'homme qui n'avait pas été très rentable. Donc on a Kous qui est gentiment là en haut, en cause position pour l'adversaire, je ne l'avais pas précisé, Speedwing qui a cherché, une Queen qui vient de sortir. Qui va, je pense, pouvoir injecter avec ses 28 d'énergie. Une Queen qui va aussi sortir sur la B2. La Queen qui n'injecte pas, elle injecte maintenant. Petit gaz depuis tout à l'heure, et malheureusement, il n'a pas pu microgérer son gaz skill. En tout cas, il a fait le taf, et il sait que... Ouh là là. Et là, il y a déjà un tank en production. Et il y a le mode siège qui va être recherché, je pense, avec les sons de gaz qui vont arriver. Et là, il va falloir que... C'est vrai qu'on voit beaucoup en vol comme ça, des agressions à base de tank. Ça fait très très mal, mais a priori... De Spine, pourquoi? Parce que on va se mettre dans la vision du joueur Zerg, il n'a pas vu de bâtiment. Donc je ne sais pas si c'est réacteur Helion ou s'il y a une expand ou pas. En tout cas, l'expand qui est posé quand même bien plus tôt que dans la partie contre l'homme pour tout, qui est un wall qui est déjà amorcé par Kous, donc il n'est pas si mauvais que ça finalement. Il joue bien le match-up, il amorce déjà le wall quand il faut. Il a bien raison, ils font un gros wall contre Zerg si on veut pouvoir défendre. Donc là, au début, il l'a un peu... C'était dit à main sur Contos, il est peut-être temps que je fasse un wall et il va partir sur l'agression tank marine à Sirli. On voit pas trop ça en fait, parce que rien qu'avec des queens ça se reboot maintenant assez facilement. Les airlings qui circulent le tank et les queens de l'éco gérer, ils rebootent facilement aussi les marines, donc on en voit de moins en moins. À tous les joueurs qui sont en game là sur le nouveau tournament. Reste à savoir si on aura quelconque partie demi-finale, finale ce soir. Ça va dépendre de si la nuit veut continuer le tournoi ou pas. Il va être 11h30. On va voir ce qu'ils vont choisir de faire. Voilà les drones qui mettent notamment cette B2 niveau Incom. 10 récolteurs de plus pour le Zerg. C'est classique. Il est plus en B2 contre Terran. Oui.
merci aux gens qui m'ont suivi tout au long de mes casques de ce tournoi. Voilà, je te rappelle, n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube, la page Facebook et la chaîne Twitch, enfin pas Twitch mais Honnête, vous lâcherez sur Honnête un petit peu. En principe vous avez la possibilité de liker le Facebook, je crois qu'il est mis sur sur Honnête, allez voir ça. Parce que là, le game est un petit peu posé, l'armée de Kous a quand même proposé 3 tanks, il va sortir Kous, et voilà, il sort Kous, mais la réparation du creep est exemplaire du côté d'Astan, il y a même B3, il y a même un très bon début de game à côté d'Astan qui regardait, parce qu'il est dans sa vue, hop là, il va voir l'agression arriver, ça tient, on m'attaque, si je lance les 35 Dragling, je sais pas, pour l'instant il a toujours 10 Dragling, il pose une spine, il lance des lignes, il était un peu sous playbook, il va en lancer 20, voilà. Ils vont arriver à temps je pense pour circle tout ça et un peu mettre à néant le push de Kous. Il faudrait que Kous sieste tes tanks maintenant. Oula, ça c'est beau par contre. Oh c'est tellement beau ce qu'il nous a fait Dastan, vous avez vu. Il a contourné les tanks, là il va se mettre dans le siège et il va prendre ça entre deux fronts. Et je souhaite bonne chance à Kous pour faire du dégât. Hein. Il va juste poser de queen, mais une queen c'est pas vraiment ce qu'on attend quand on fait un push comme ça avec trois tanks. Et qu'on se prive des aiguilles en début de partie pour pouvoir... une agression rapide, on a Star Wars aussi qui est développé à l'homme pour tout, qui n'avait pas du tout fait le Medivac, donc c'était dommage. Alors on a les bénéfices qui sont prêts pour prendre en sandwich l'armée Terran là. Les Arines qui sont prêts aussi. Et pour le moment tous qui faudrait qu'il avance un petit peu comme l'avait fait l'homme pantoufle, hein. L'homme pantoufle qui avait une bonne micro des tanks, on va voir si Kous là, voilà, il va faire un bon, voilà, erreur de positionnement, et les bennings, que font les bennings qui ne sont pas là, oh là là, par contre là il y a une erreur d'Astan qui avait pas forcément assez de Zerling, il envoie les bennings un peu tard, voilà, il aurait dû envoyer les bennings en même temps que les Zerling, et du coup il se met dans une position fâcheuse là, du coup d'Astan il a pas vraiment bien pris cette fight, il s'est un peu commit sur les deux tanks, il ne veut pas assez de Zerling à mon goût, il aurait mieux fait d'attendre peut-être les Zerling. Et les drones qui sont obligés de sortir, il n'avait pas besoin de les sortir à hein, mon goût. Là il va en perdre beaucoup. Il les perd gratuitement ces drones. Hein. Appelle micro du tank là en plus qui va monter. Il va se mettre en mode siège et attention, voyons la micro de ce coup-ci. Ah la mauvaise macro. Voilà c'est ça. Hein. On ne peut pas tout avoir quand on engole la macro et la micro. Et du coup, ah cela dit, le tank qui va être chopé côté zerg. Voilà, il y a des renforts qui arrivent sur la V3, mais heureusement là ce tank là non plus. Si ce tank aussi, et ce tank aussi. Le push terrain qui est finalement nettoyé. Il reste plus que quelques marines ici. Qui ne va pas tarder. Être kill, c'est vrai que on a vu beaucoup là dans les TZ que j'ai vu beaucoup d'agressions à base de tanks. Finalement, le meilleur joueur terrain que j'ai vu là dans ce tournoi c'était Doliprane, moi à mon goût. Donc là, ce que j'ai vu en late game était vraiment pas mal. Il était gold, donc voyons si Dastan pourra rivaliser avec eux dans la suite du tournoi. Petit point au niveau de l'arbre. Au niveau de l'arbre, est-ce qu'on a déjà les demi sur en tout cas Spirac, je ne sais pas. Ce sont les Zerglings là qui sont prêts pour tenter d'agresser un petit peu. Un Medivac aussi qui est sorti, hein, il ne s'est pas commis. On est toujours en quart, ça c'est un quart final aussi. Et Sionix qui est en quart aussi. Donc celui qu'on a pris avant, donc on lui souhaite bonne chance. Je pense de toute façon peut-être que je finirai pas le tournoi, moi ça va dépendre quoi, donc sauf que vous avez 12 streams hein, pour finir le tournoi, donc force pas forcément du temps du mien. Après l'autre stream de la RNZ n'est pas mauvais, donc à la limite si vous il est resté que le stream, le premier stream là de Diabolo, enfin pas de Diabolo mais bon, je peux comprendre quoi, avec une résolution 432p je vois un peu de quoi on parle. On a quand même beaucoup de drones en production, regardez Incom hein, nettement favorable d'Astan qui est bien devant au niveau de sa pop, qui a l'air de bien maîtriser son sujet, qui sort même les infestateurs. Il faudrait que Kous pose une 2-3, il n'a pas fait de... Il a combien de récolteurs inactifs? 5-6 récolteurs inactifs, hein, regardez un peu tous ces récolteurs là qui devraient un peu bosser, bien dommage. Regardez, là il y en a plein qui coûtent rien, il a fait du supply, malheureusement il ne les gère pas. Moi je fais Asmaso et les... Voilà. Peine de sueur, alors on a les mutas qui vont peut-être venir Arras, Abbas Terran. Est-ce que les tourelles sont au rendez-vous? Nous allons voir ça. Il n'y a pas de tourelles mais il y a des marines avec le steam. Ah non pas le steam qui vient déclencher. Alors là par contre, si des Bending Speed venaient d'arriver qui avaient été oubliés par Sonic à l'autre partie, là qui ne sont pas oubliés par Dastan, ils renverseraient complètement la tendance. Ouais, un Arras du Muta, c'est pas ce qu'il y a de plus successful.
Maintenant, s'il n'y a pas de Bening, s'il n'y a pas de Marine de avec le, donc pour moi Marine Speed c'est Steamback, hein. S'il y a pas